Je suis entré en pédagogie freinée avec le plan de travail. C'était pour moi le moyen d'individualiser le travail et c'était indispensable à mes yeux. C'est-à-dire que le plan de travail maintenant rythme la journée, la semaine, l'année, à la fois pour toute la classe, donc d'une manière collective, mais aussi pour chaque enfant de manière individuelle. Dans le plan de travail, les enfants, le premier lundi de la première semaine, vont inscrire ce qu'ils prévoient de faire pendant cette semaine en français, en mathématiques et en recherche documentaire, en écriture de texte, en lecture, éventuellement dans d'autres domaines comme l'art plastique, le bricolage, technologie, enfin, etc. Et ce qu'il prévoit de faire, ce n'est pas du tout au petit bonheur la chance. C'est quelque chose qui est très organisé, je crois. Et à mes yeux, ça doit l'être. Grâce à leur grille de progression qui se trouve dans leur classeur personnel, ils vont pouvoir inscrire ce qu'ils prévoient de faire dans la quinzaine. Ce document, c'est essentiellement une grille de progression en français et mathématiques. Que j'ai faite pour eux et qui reprend toutes les fiches de travail des différents fichiers que j'ai préparés. J'ai donc partagé tout ce qui est attendu à la fin du cycle 3 en 7 étapes, 7 échelons, ceinture blanche à ceinture noire. Dans chaque niveau, dans chaque ceinture, dans chaque étape, il y a plusieurs objectifs. Moi, ça me permet de voir très, très rapidement et de manière assez précise quoi, ce sur quoi l'enfant a besoin de travailler ou pas, ce qu'il a déjà acquis, compris, dans ma classe ou dans les classes précédentes, peu importe. Et du coup, je le renvoie aux fiches de travail sur lesquelles il a besoin de travailler. Le maître, il a mis 2 points, ça veut dire, un point, ça veut dire que je dois faire, que je dois le faire. Et dès qu'il y a des barres, ça veut dire que je n'ai pas besoin de le faire. Par contre, pour que je puisse valider cette ceinture, il va passer par une évaluation qui va tout reprendre, sans distinction de ce sur quoi il a travaillé ou pas. Donc au début de chaque ceinture, lorsqu'un enfant se présente devant une nouvelle ceinture, il doit passer d'abord par un repérage, par une évaluation diagnostique, qui va reprendre tous les objectifs qui sont prévus dans cette ceinture-là. Et chaque exercice de ce repérage renvoie à une compétence ciblée qui se trouve dans une même fiche de travail. C'est un peu tous les exercices que tu vas faire lors de ta ceinture. Repérage jaune, donc en mer, je l'ai terminé. Du coup, j'ai colorié la case repérage en gris. Voilà, je viens de prendre le cahier de Tom et je viens de corriger une fiche de repérage en mesure, du niveau ceinture orange. Voilà. Donc de là, j'ai déterminé ce sur quoi il avait besoin de travailler ou pas. J'ai dans mon classeur à moi sa fiche, sa grille de progression. J'ai coché qu'il avait fait le repérage orange. Et là-dessus, je vois qu'il s'est mesuré et tracé des traits avec une règle sans problème. Par contre, il a besoin de travailler sur les masses. Les comparaisons de masse. Il a besoin de retravailler sur les conversions de longueur et sur le périmètre. Voilà. J'ai vu avec lui pour les heures, donc il n'aura pas besoin de travailler sur les heures. Voilà. D'accord ? Et après, il fera l'évaluation. Donc, il aura besoin de faire la fiche numéro 9, la fiche numéro 10, la fiche numéro 11, pas la 8, pas la 12. Et ensuite, il fera l'évaluation qui, elle, reprendra toutes les fiches, y compris la 8 et la 12. Ok. D'accord ? Voilà. Et maintenant, je vais marquer ça dans son classeur à lui, dans sa grille de progression à lui, qui
qu'il va consulter pour le prochain plan de travail, et il pourra, s'il le souhaite, inscrire dans son plan de travail une fiche de mesure. D'accord ? Donc, je barre la fiche 8, je barre la fiche 12, mais je pointe la fiche 9, la fiche 10, la fiche 11 et la fiche d'évaluation. Tant qu'il n'a pas fait ce travail-là en mesure, il ne pourra pas prétendre à la ceinture verte. Le E, c'est l'évaluation de la ceinture. Quand, par exemple, moi, j'avais tout compris de la ceinture blanche en repérage de grammaire. Du coup, le maître, il a même assuré l'évaluation parce qu'il savait que j'avais besoin de la faire. Ça, mais sauf que j'y arrivais pas. Ma bête, elle m'a dit, maître, je ne sais pas faire, je n'ai pas appris. Et le maître, il a dit, ce n'est pas grave, je t'apprendrai. Au tout début, les enfants qui arrivent dans ma classe, une fiche de repérage, une fiche d'évaluation, une fiche de travail, pour eux, c'est exactement pareil. Ça n'a... c'est... De toute façon, c'est un travail à faire. Et puis, petit à petit, leur perception s'affine et ils comprennent mieux pourquoi le repérage, pourquoi la fiche de travail et pourquoi l'évaluation. Et c'est quand même plus facile quand la fiche de repérage est jaune, quand la fiche de travail est blanche et puis quand la fiche d'évaluation est rose. Voilà. Donc tous les fichiers sont construits de la même façon. Si par hasard une fiche de travail n'est pas réussie du tout, eh ben, je fais comme n'importe quel enseignant, hein. Je vais voir l'enfant, je discute avec lui, je retravaille avec lui, je lui repropose d'autres choses. Donc ces autres choses, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, ça peut être d'autres exercices que je fais avec lui ou que je lui propose en plus. Que tu inventes sur le moment ? Ah oui, que j'invente sur le moment, hein. J'écris avec lui, devant lui, ou bien si c'est... Plus important, je refais une fiche de travail, parce que ça m'arrive de refaire une fiche de travail un peu différente, mais sur la même notion quand même, avec une approche peut-être plus progressive encore. Enfin voilà, ça m'est arrivé ça de le faire. Oui. Très souvent, le premier exercice de la fiche demande un renvoi au maître. Très souvent. Inscris-toi en correction avant de continuer, par exemple. Ou bien va voir le maître, ou enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui renvoient au maître pour que moi j'intervienne en début de fiche pour vérifier si tout va bien, si l'enfant peut continuer ou pas. Très souvent c'est comme ça. Dans une fiche de travail, si il y a un moment donné où l'enfant coince, bloque, eh bien il s'inscrit en explication, et là je vais le voir. Ou bien il va voir dans le tableau d'aide si un enfant qui a déjà validé la ceinture verte de ce domaine-là peut l'aider. Dans les fiches de travail, il y a souvent une notion qui s'aborde, pour la première fois parfois, pour certains enfants. Donc il y a une notion qui est donnée avec un certain code, c'est un cadre dont l'arrière-plan est jaune, enfin voilà, il y a un certain code qui dit attention, là... Là, il y a quelque chose à retenir. D'ailleurs, c'est écrit. Hein, lis attentivement, comprends, retiens. Et toujours, il y a un renvoi au maître qui va discuter avec l'enfant pour vérifier s'il a compris, d'abord, s'il a retenu, ensuite, et qui va pouvoir démarrer sur la fiche de travail. Voilà. Et ce même code, on va le retrouver dans d'autres domaines, comme le quad 9. Ça va être le signal, attention, là, il y a une notion à retenir, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne ou que je lise attentivement. Et moi, je suis persuadé qu'on n'est pas obligé d'avoir fait une leçon collective, une leçon frontale, pour introduire une notion qu'un enfant peut très bien la découvrir tout seul. Et d'ailleurs, s'il est à ce niveau-là, c'est qu'il en est capable. À condition qu'ensuite, il y ait des exercices appropriés de manipulation, de découverte, et puis des renvois au maître qui va contrôler que la notion est comprise et qui va le demander des vérifications de manière plus réelle. Il y a plusieurs étapes avant de refaire l'évaluation. Je peux, par exemple, me rendre compte que je croyais qu'il avait acquis une notion dans le repérage, donc je ne lui avais pas donné la fiche de travail, et finalement il se plante dans l'évaluation. Du coup, la première étape, ça va être de faire cette fiche de travail. Première chose. Deuxième étape, je demande de corriger l'évaluation avec tous les outils dont il a besoin. Il peut avoir tous les outils possibles et imaginables. Pour corriger cette évaluation,
que moi je compte, que je lui demande, c'est écrit sur le, sur la, l'évaluation, c'est écrit. Premièrement, corrige soigneusement. Deuxièmement, montre-moi. Et quand il vient me montrer cette évaluation, donc ça peut être sur un temps de correction, ça peut être sur un temps de plan de travail, etc. Là, je vois avec lui. Parfois, c'est des erreurs. Par exemple, en opération, un enfant qui a oublié de mettre la virgule au résultat alors qu'il a fait tout juste et qui me dit « j'ai oublié la virgule, elle se met là », pour moi, ce n'est pas une erreur. C'est... Enfin, je veux dire, ça ne remet pas en cause sa compréhension de la technique opératoire. Donc, si la correction demande juste des réajustements qui me montrent qu'en fait, il savait faire, éventuellement, comme ça s'est passé aujourd'hui, pour confirmer, je redonne une opération, si c'est des opérations, du même type, mais différente, et qu'il l'a réussi parfaitement bien, je valide. Voilà. Après, si c'est plus profond, si je vois qu'il y a vraiment une incompréhension, je vais, selon le cas, soit demander, comme je le disais tout à l'heure, de refaire des fiches de travail, soit moi je vais redonner un travail similaire mais différent, jusqu'à ce qu'il repasse l'évaluation, qui ne sera pas tout à fait la même non plus, et je finirai par valider, parce qu'à un moment donné, je vais la valider. Tu as des petites priorités avec signalées par un nuage, puis si tu finis les priorités en premier, après, tu as les autres choses que tu dois faire. La priorité, les priorités de base, c'est faire au moins une fiche en français, une fiche en maths. J'ai aussi décrété que une fiche d'évaluation ou une fiche de repérage était une priorité. Voilà, c'est un peu des garde-fous qui permettent quand même à tout le monde de rester un peu dans les cadres et puis d'avancer. Jamais personne n'a été coincé en début de deuxième semaine, par exemple, en disant « je peux plus rien faire ». Je peux plus rien faire. Pas possible. Ils peuvent se rajouter des engagements, quoi. Ils peuvent se rajouter des engagements, ils peuvent se rajouter des fiches. Donc, il a du travail prévu pour un certain temps. Donc, il peut y aller, quoi. Il peut y aller. Voilà. D'autres, à l'inverse, sont plutôt du genre escargot et n'arrivent pas à fournir le travail minimum demandé à la fin de la quinzaine. Bon. Soit parce qu'ils se sont éparpillés sur plein de choses, soit pour d'autres problèmes, enfin bon, toujours est-il que... Voilà. Donc c'est moi qui, justement, c'est pour ça que j'ai choisi la période 15 jours, enfin 2 semaines, pour que justement, moi, j'induise derrière. Là, attention, je mets un petit post-it, ou bien c'est moi qui prépare le plan de travail suivant, par exemple, en disant, attention, là, non, tu ne peux pas partir sur ta recherche documentaire parce que ça, tu n'as pas fait déjà la dernière fois. Et maintenant, je veux que ce soit fait. J'ai pas encore parlé des grades de comportement. Par exemple, pour être ceinture bleue de comportement, il faut, dans la partie comportement par rapport au travail, régulièrement être capable de faire toutes les priorités qui sont demandées dans le plan de travail, plus 3 fiches. Comme tout le reste dans la classe, moi, j'ai besoin de savoir ce qui fait quoi. Et le qui fait quoi, cette question-là est m'a mené à préparer un tableau qui s'appelle le qui quoi. Et 2 fois par semaine, ce tableau est revu par toute la classe en collectif. Il est aussi pris en charge d'ailleurs par 1 ou 2 enfants. Et on passe en revue, tout du moins, tous les travaux en cours. On ajoute les travaux nouveaux qui se présentent. On enlève les travaux finis, comme ça, ce tableau qu'on appelle le qui-quoi avance, évolue, mais ça permet à tout le monde de savoir qui fait quoi, et à moi en particulier. Et ça permet aussi à tout un chacun de se sentir un peu responsabilisé dans son travail, c'est-à-dire qu'en fait, il est engagé vis-à-vis de la classe, sur le travail qu'il a proposé de faire. Il y a des enfants qu'il faut booster en permanence, donc ce qui quoi, ce rendez-vous 2 fois par semaine permet justement de faire le point, bon, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé, où en es-tu, que dois-tu faire? Ah ben c'est toi maître qui dois me corriger. Bon ben alors c'est inscrit, et là à ce moment-là, c'est ma responsabilité à moi d'intervenir pour que le travail avance. Parfois les enfants sont en panne,
Donc, on se donne rendez-vous, le groupe en panne et moi, on se donne rendez-vous pour que je vois où ils en sont, ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, et que je les guide pour que le travail redémarre. Et certains groupes n'ont pas besoin de moi, et ça avance, et ça avance, et moi j'interviens pour les corrections, pour, etc., pour la vérification, la validation. Mais voilà, quoi, c'est comme ça que finalement on sait qui fait quoi. Chaque enfant va avancer d'étape en étape, de ceinture en ceinture, à son niveau, à son rythme, pour se rapprocher le plus possible en fin de CM2 de la ceinture, non pas de la ceinture noire, mais de la ceinture maximum à laquelle lui peut arriver à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur le travail systématique et très individualisé. Ce qui n'empêche pas que l'enfant acquiert d'autres compétences qui ne sont pas dans les fiches de travail sur lesquelles je l'ai renvoyé, parce que la vie de la classe permet d'acquérir tout un tas d'autres connaissances. Ça, c'est important parce que parfois on se dit, oui, mais un enfant de CM2 qui n'est arrivé qu'en ceinture, je sais pas, orange ou ceinture verte de mesure, par exemple, il n'a pas encore travaillé sur les mesures d'air, sur les mesures de volume et comment il va faire au collège et. Non, il aura travaillé quand même dessus grâce à la vie de la classe qui va amener toutes ces notions par divers moyens et à plusieurs reprises. L'année dernière, il y a un papa qui voulait changer ses dalles de jardin. Il ne l'a pas fait pour me faire plaisir, hein. Mais du coup, il a demandé à sa fille de proposer à la classe si on les voulait. Mais seulement, il fallait le dire assez vite parce que lui, il voulait s'en débarrasser et il ne voulait pas que ça traîne pendant des mois dans son garage. Du coup, voilà. Ah, il y a une question qui est posée. Quelle réponse on lui apporte? Alors, ça aurait pu très bien être. Non, non, on n'en a pas besoin. Voilà. Et puis, tout de suite, il y en a un qui a dit, mais attention, au jardin, on salit toujours les pieds quand on y va parce que c'est de la terre. Si on avait les dalles, ce serait vachement bien parce que. Bon. Ah, d'accord. Mais alors, tes dalles, elles mesurent combien? Elles font combien? Et puis, de combien on va en avoir besoin pour couvrir le jardin ou pour faire ce qu'on veut faire avec? Et enfin, voilà. Et puis, on a fait un travail sur l'air, sur le calcul de l'air, sur même l'échelle, puisque. Il a fallu dessiner à l'échelle pour pouvoir compter les dalles dont on aurait besoin. Il a fallu construire un dessin à l'échelle du jardin, enfin, etc. Et puis, voilà, enfin, bon. Par exemple, ce temps-là, tu le prends quand dans ton emploi du temps? Alors, Tu je dis le prends quand il arrive. Par exemple, je reprends à ces dalles. La petite nous avait proposé ça le matin même. Les gosses, ils sont partis là-dessus tout de suite. Et en fait, on a passé la matinée avec ça. Donc tout le reste, puis. Ah, mais c'était trop important. C'était trop important. Et du coup, après, ça reste une référence. Quand on reparle de l'air d'une manière plus frontale, plus collective, plus systématique, eh bien, paf, c'était les dalles. Pour ceux qui ont vraiment faim de connaissances et de travail, ça leur permet quand même de bien travailler sur 2 semaines, par exemple pour faire des recherches documentaires. Enfin, il faut un peu de temps quand même. Donc voilà, 2 semaines, c'est bien. Et à la fois pour ceux qui ont plus de mal à s'organiser, qui perdent plus de temps, etc., ça me permet de recadrer un peu, de relancer, d'avoir un œil plus rapide sur ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est pour ça que finalement, après quelques tentatives de délais différents, la semaine, le mois, la période, très rapidement ça s'est fixé sur la quinzaine et je l'ai gardé pendant des années et des années. Voilà. Le plan de quinzaine, c'est un document en papier, format A4, sur une face, qu'ils collent tous les débuts de quinzaine dans leur cahier du jour. Ce document papier, quasi vierge, il est cependant organisé, ce n'est pas un papier blanc, il est organisé en plusieurs parties. Il y a le travail individuel qui comprend essentiellement français, maths et recherche documentaire. Et puis le travail collectif, là ce sont les rendez-vous que je donne aux différents groupes, qui sont vraiment des rendez-vous non négociables.
c'est fixé dans la semaine, c'est toujours le même jour, la même heure. Et puis il y a la partie travail à la maison, qui est donnée sur la quinzaine aussi, qui permet à chacun de s'organiser un peu comme il veut. Et puis la dernière partie, c'est le bilan de fin de quinzaine, c'est-à-dire le retour sur cette quinzaine, que chacun va faire de manière individuelle, et on en fait une partie aussi de manière collective. Donc pour pouvoir suivre tout ça de près, je demande les cahiers tous les midis. Et en principe, le midi, je passe beaucoup de temps à corriger, à pointer qui a fait quoi, qui doit corriger quoi, enfin, etc. Beaucoup de qui quoi. Ou le soir, si je n'ai pas eu le temps de tout faire à midi, je continue le soir. Et c'est vrai que mes fichiers de travail étant prêts, les enfants faisant des recherches documentaires, j'ai assez peu de préparation de classe à faire. J'en ai assez peu. Je passe beaucoup de temps sur le suivi du travail de chacun. Donc ce suivi-là, c'est soit sur le cahier du jour en français et maths, soit sur les recherches, les corrections de texte, voilà tout ça quoi. Mais effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Je suis très rigoureux, je crois, sur le suivi en français et en maths. Après, pour le reste, je laisse un peu les choses avancer comme elles doivent avancer, et non pas en le décrétant moi-même. Par exemple, en découverte du monde, histoire, géographie, sciences, je laisse la part belle aux recherches documentaires choisies par les enfants, parce que je pense que plus que les connaissances vraiment, c'est les démarches qui comptent. Un enfant ou un groupe de deux enfants décide de faire une recherche sur le loup, il va faire un travail de recherche sur le loup en étant un peu guidé par une fiche de conseil que j'ai pu aussi concevoir, et qui va les guider sur des connaissances qui sont plus scolaires, comme par exemple la reproduction, comme par exemple la classification, l'alimentation, enfin voilà, tout ce qu'on peut chercher, régime alimentaire, enfin voilà, toutes ces connaissances, ce vocabulaire qui est quand même demandé à l'école élémentaire. Donc ma fiche guide les guide sur ce chemin-là. Mais à côté de ça, c'est quand même eux vraiment qui font cette recherche, et ensuite ils vont la présenter à la classe. Je suis là pour tirer sur ces petites ficelles-là qui sont apportées, ces petits fils qui dépassent, tirer là-dessus pour arriver jusqu'à la pelote et en faire quelque chose qui va revenir, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui est apporté par un enfant, parce que c'est sa vie à lui. Et forcément, ça va revenir, puisque c'est la vie. Forcément, ça va revenir. Alors, même si au début, quand j'ai tiré la première ficelle des pourcentages, par exemple, y a peut-être que 3 ou 5% des enfants qui ont compris de quoi je parle, ça n'a aucune importance. Ça va revenir. Et petit à petit, ça va se comprendre. Et puis, j'aimerais bien savoir quel est l'enseignant qui pourrait m'affirmer, là, droit dans les yeux, qu'à la fin de l'année, tous les enfants de sa classe ont acquis toutes les notions du programme. C'est une utopie totale.